Quel est votre nom? Je m'appelle Madame Souadou Diabaté, je suis riveraine de Sotiba. Quel est l'objectif de cette rencontre aujourd'hui? L'objectif qui nous réunit aujourd'hui, c'est que nous sommes tellement dérangés au point qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus avec les groupes, plus de 30 groupes AXA installés du matin au soir, avec le dégagement de la fumée et du gaz. Vraiment, on n'en peut plus. Depuis mars 2021, ils sont là jusqu'à nos jours. On a réuni ciel et terre pour pouvoir mettre fin à cela. Oui, l'énergie, donner de l'énergie à la population est un devoir de l'État. Mais est-ce qu'on doit incriminer une partie de la population pour en servir les autres? C'est ce que moi je comprends, parce qu'aujourd'hui, depuis 8h moins, il n'y avait pas d'électricité jusqu'à 14h. Mais les groupes ont continué à marcher, à fonctionner. Vous avez informé les autorités? Les autorités sont informées, tout le monde sait, tout le monde est au courant. Rien que les sorties que nous avons faites avec vous, tout ce que vous avez vulgarisé dans tout ce que nous avons fait, tout ce que nous vous avons dit, ils sont au courant aujourd'hui. Mais hormis cela, nous avons passé par les voies administratives en envoyant des courriers, en faisant des rencontres. Mais moi, je pense que AXA doit dégager de chez nous. Dernier message, d'accord? Dernier message. Oui. Si c'est mon dernier message, ça ferait plaisir, parce que ça veut dire qu'après ce message, AXA va quitter. Je pense. Je vais demander aux autorités, toujours à nos autorités, de prendre les dispositions nécessaires pour nous alléger de ce qui se passe. La cour dans laquelle AXA est implantée, est-ce qu'elle doit être là? Comme je vous avais dit, Sotiba est un acronyme. Sol et terre utile de base. C'est pour les croisements et autres des semences. Et quel est le respect pour l'environnement? Quel est le respect pour les personnes? Quel est le respect pour notre santé? Nous demandons très humblement, très calmement, sincèrement, nous demandons aux autorités, tout confondu, de nous alléger. Ces bruits-là, les gens de Sangarébougou le sentent, les gens de Titibougou, de Djelibougou, les gens de Marseille, de Voulukasomougou, tous les quartiers environnement, la cité de la solidarité, tout le monde entend le bruit, tout le monde est dérangé par ça. Et les odeurs, on parle du bruit, les odeurs sont plus que ça. Les odeurs, les gaz que ça dégage, c'est plus que ça. Ce n'est qu'une société privée, étrangère, qui n'est même pas malienne, qui vient nous déranger chez nous. Où est-ce qu'on va aller? Dans notre pays. Regarde, on est en train de nous foutre la mer en Tunisie tout de suite là. Et on court vers chez nous et on est dérangé sur notre sol ici. Pas d'électricité, oui, mais on veut être en paix. Merci beaucoup. Vraiment. Je ne sais pas si je suis un homme qui a été 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 un hom
Ils produisent le même produit qu'à faire énergie, ma énergie n'a pas à faire.
Quel est votre nom? Je m'appelle Madame Souadou Diabaté, je suis riveraine de Sotiba. Quel est le but de cette rencontre aujourd'hui? L'objectif qui nous réunit aujourd'hui, c'est que nous sommes tellement dérangés au point qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus avec les groupes, plus de 30 groupes AXA installés du matin au soir, avec le dégagement de la fumée et du gaz. Vraiment, on n'en peut plus. Depuis mars 2021, ils sont là jusqu'à nos jours. On a réuni ciel et terre pour pouvoir mettre fin à cela. Oui, l'énergie, donner de l'énergie à la population est un devoir de l'État. Mais est-ce qu'on doit incriminer une partie de la population pour en servir les autres? C'est ce que moi je comprends, parce qu'aujourd'hui, depuis 8h moins, il n'y avait pas d'électricité jusqu'à 14h. Mais les groupes ont continué à marcher, à fonctionner. Vous avez informé les autorités? Les autorités sont informées, tout le monde sait, tout le monde est au courant. Rien que les sorties que nous avons faites avec vous, tout ce que vous avez vulgarisé dans tout ce que nous avons fait, tout ce que nous vous avons dit, ils sont au courant aujourd'hui. Mais hormis cela, nous avons passé par les voies administratives en envoyant des courriers, en faisant des rencontres. Mais moi, je pense que AXA doit dégager de chez nous. Dernier message, d'accord? Dernier message. Oui. Si c'est mon dernier message, ça ferait plaisir, parce que ça veut dire que après ce message, AXA va quitter. Je pense. Je vais demander aux autorités, toujours à nos autorités, de prendre les dispositions nécessaires pour nous alléger de ce qui se passe. La cour dans laquelle AXA est implantée, est-ce qu'elle doit être là? Comme je vous avais dit, Sotiba est un acronyme. Sol et terre utile de base. C'est pour les croisements et autres des semences. Et quel est le respect pour l'environnement? Quel est le respect pour les personnes? Quel est le respect pour notre santé? Nous demandons très humblement, très calmement, sincèrement, nous demandons aux autorités, tout confondu, de nous alléger. Ces bruits-là, les gens de Sangarébougou le sentent, les gens de Titibougou, de Djelibougou, les gens de Marseille, de Voulukasomougou, tous les quartiers environnement, la cité de la solidarité, tout le monde entend le bruit, tout le monde est dérangé par ça. Et les odeurs, on parle du bruit, les odeurs sont plus que ça. Les odeurs, les gaz que ça dégage, c'est plus que ça. Ce n'est qu'une société privée, étrangère, qui n'est même pas malienne, qui vient nous déranger chez nous. Où est-ce qu'on va aller? Dans notre pays. Regarde, on est en train de nous foutre la mer en Tunisie tout de suite là. Et on court vers chez nous et on est dérangé sur notre sol ici. Pas d'électricité, oui, mais on veut être en paix. Merci beaucoup. Vraiment. Mmh. Énergie groupe
Oui, nous faisons appel à l'autorité. Moi, c'est beaucoup référent de énergie, Aska Énergie. Nos enfants sont fatigués. On est fatigués. Même les quartiers environnants, Titibougou, Djelibougou, ACI, Suleiman Bougou, partout là, tout le monde entend le bruit. Surtout nous qui sommes proches, nous à 15 mètres de la machine. Ils ont augmenté aussi l'autre là, le bruit ces derniers temps là. Vous avez contacté les maires de la commune ? On a contacté tous les autorités, on a écrit des lettres. Bon, jusque-là, on n'a pas de réponse l'autre là, définitive. Donc, Amavé Ouga l'a vraiment en tort là quoi. Voilà, Djamabé Bora, vraiment merci beaucoup. Ah, ok. Ils sont fatigués. Qu'est-ce que Thomas, le grand Thomas Sangara disait? Un esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la concédance suspecte des maîtres qui prêtent à la franchise. C'est la lutte libère l'homme. Nous sommes fatigués. Ça dégage. Nous, on veut la paix ici. Ça va. On ne veut pas mourir du jeune. Moi, je pense que c'est essentiel. C'est bon. On en a marre. Nous sommes fatigués. Dégagez.